Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Jean 23 et nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Au début de cette célébration, nous faisons appel à la miséricorde du Seigneur qu'il entende notre prière. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, en la personne du Saint-Pape Jean 23, tu as fait resplendir dans le monde entier l'exemple du bon pasteur. Nous t'en prions, accorde-nous par son intercession de répandre dans la joie la charité chrétienne. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Jonas. Quand il vit que Dieu pardonnait aux habitants de Ninive, Jonas trouva la chose très mauvaise et se mit en colère. Il fit cette prière au Seigneur. Ah, Seigneur, je l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Eh bien, Seigneur, prends ma vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. Le Seigneur lui dit, « As-tu vraiment raison de te mettre en colère ?» Jonas sortit de Ninive et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, pour voir ce qui allait arriver dans la ville. Le Seigneur Dieu donna l'ordre à un arbuste, un ricin, de pousser au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. Jonas se réjouit d'une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain, à l'aube, Dieu donna l'ordre à un ver de piquer le ricin et celui-ci se dessécha. Au lever du soleil, Dieu donna l'ordre au vent d'est de brûler. Jonas fut frappé d'insolation. Se sentant défaillir, il demanda la mort et ajouta, « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « As-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ce ricin ?» Il répondit, « Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère jusqu'à souhaiter la mort. »
Le Seigneur répliqua, « Toi, tu as pitié de ce ricin qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville où, sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Et quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. »
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Frères et sœurs, l'Évangile nous présente Jésus qui enseigne à prier à ses disciples. Pour Jésus, la prière est une préoccupation majeure. Mais avant de donner à ses disciples un enseignement sur la prière, il va d'abord leur donner l'exemple, car il sait très bien qu'on ne demande pas aux autres de faire ce que l'on ne fait pas soi-même. Et ses disciples vont être tellement impressionnés et fascinés par Jésus en prière qu'ils ne pourront faire autrement que de lui demander de leur apprendre à prier comme il le fait lui-même. Pour Jésus, la prière, c'est la plus importante de la charité fraternelle. Oui, la prière est essentielle à la vie chrétienne, si bien que Jésus disait à ses disciples, « Il faut toujours prier, ne jamais se lasser. » Par la prière, on peut entrer en relation avec Dieu et parler à cœur ouvert avec lui. Et dans notre société, il y a beaucoup de gens qui prient, beaucoup plus que l'on ne pense. Ici même, à l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, nous accueillons plus de 2 millions de visiteurs et de pèlerins chaque année. Et des enquêtes sérieuses réalisées à travers le Québec révèlent que près de 75% des gens prient d'une façon ou d'une autre, de bien des manières. Nous savons d'ailleurs qu'on peut prier seul ou avec d'autres. On peut prier à l'aide de prières toutes faites, comme le Notre Père et le Je vous salue Marie. On peut prier aussi plus spontanément, en improvisant ce qu'on veut dire à Dieu. On peut prier quelques minutes seulement au milieu de nos occupations. On peut prier plus longuement le matin, avant de commencer la journée, ou le soir, avant de s'endormir. Mais après plus de 2000 ans de christianisme, nous sentons le besoin de revenir à Jésus pour redécouvrir comment il priait et ce qu'il nous a enseigné sur la prière. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus dit à ses disciples, « Quand vous priez, dites, Notre Père. » Par-delà toutes nos différences, nous avons beaucoup plus de choses en commun que de choses qui nous distinguent. Nous sommes tous les enfants d'un même Père qui nous rassemble en son amour. C'est pourquoi Jésus nous recommande de nous adresser à Dieu, notre Père, dans la confiance et l'amour. Et puis, Jésus nous exhorte à pratiquer la prière de demande. Demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Et puis, il y a aussi la prière d'adoration, de remerciement, de demande de pardon. La prière nous fait toujours prendre conscience de la présence de Dieu en nous et autour de nous. Et elle nous donne la force de conformer notre vie aux enseignements de Jésus contenus dans l'Évangile. Mais surtout, n'oublions pas que la messe, l'Eucharistie qui nous rassemble ce matin, c'est la plus belle et la plus parfaite de toutes les prières. Car dans cette prière, c'est Jésus lui-même, mystérieusement présent, qui accueille toute notre vie pour la présenter à son Père et qui s'assure que son Père s'occupe bien de tous ses enfants. Ce matin, tous réunis autour de la table du Seigneur, participons à cette messe
avec la conviction que c'est la plus belle et la plus parfaite des prières. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain fruit de la terre et du travail de nos mains, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant, Seigneur, la mémoire des saints, nous offrons ce sacrifice de louange. C'est en lui que nous mettons notre espoir, qu'il nous délivre du mal aujourd'hui et demain. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit-Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit-Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit apaisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré,
Et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, Saint Jean 23, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi que appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. »
Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'antienne de la communion, le bon pasteur, donne sa vie pour ses brebis. Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, ravive en nous l'ardeur de charité et nous brûle de ce feu qui dévorait Saint Jean 23 alors qu'il se dépensait pour son Église. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu.